Bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver. On est toujours le 17 septembre 2020. 11h20 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et qu'on a, a toutes les raisons du monde pour comprendre et être certain que ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Pendant ce temps-là, on n'est pas sorti de l'auberge avec cette pandémie mondiale. Et aux États-Unis, on a un président qui est vraiment, vraiment des plus étranges. Des plus étranges. Cette semaine, il y avait un town hall qui était tenu par... Euh, George Papadopoulos, je pense, ou en tout cas c'était euh, sur ABC, et euh, le président était là à répondre aux questions des gens. Et on a entendu le président ouvertement maintenant parler de son plan, le plan qu'il a pour sortir de la crise, c'est l'immunité collective, herd immunity, quelque chose qu'il n'a pas été capable de prononcer, dans, on va l'écouter dans l'extrait, il parle de herd euh, mentality. Ça n'a rien à voir, il n'y a absolument aucun lien, mais assez... à l'âge où ils sont rendus les deux candidats, hein, ils en perdent des bouts, autant d'un côté comme de l'autre. Herd immunity et herd mentality, c'est pas pareil. Et euh, naturellement, les politiciens, surtout de l'importance de premier ministre, du niveau de premier ministre ou président de la France ou des États-Unis, se font renseigner, ont des renseignements et on leur dit quoi dire. Ce n'est pas eux autres qui racontent ce qu'ils veulent, c'est des pantins. Donc, on lui a fait un briefing, mais il a perdu le, le terme Herd Immunity. Puis, quand il est venu le temps d'en parler, il a prononcé Herd Community, sûrement, ou Mentality. C'est correct, tu fais une erreur. Mais ce plan-là, c'est qu'on appelle l'immunité collective, ce qui fait que tu espères qu'il y a assez de gens qui vont être infectés, que le virus va disparaître par lui-même. C'est tout un pari à prendre, surtout que tu as le pays où il y a le plus de cas, le plus de mortalité, et que sur quoi 6 millions de, disons, 6 millions et demi de cas maintenant, tu as 200 000 morts. Si on avait et on mettait en place, puis on laissait aller les choses comme Donald Trump veut le faire pour arriver à l'immunité collective, tu pourrais te retrouver euh, dans un an, un an et demi, euh, avec 30, 40 millions d'Américains infectés, puis si tu continues avec le même taux de mortalité, 2, 3, 4 millions de morts. C'est hallucinant, plus que toutes les autres guerres. Donc, c'est vraiment inquiétant ce qui se passe à la Maison Blanche aux États-Unis. Puis d'avoir un président, puis on va l'entendre, dans les entrevues qu'il avait données à Bob Woodward, il disait qu'il aimait minimiser la situation. Puis dans le Town Hall cette semaine, il dit Non, 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 je n'ai pas minimisé la situation. C'était le 16 septembre, ça, euh, ce euh, town, euh, town Hall, donc c'était hier. C'est c'est pas reposant, c'est vraiment fatigant. Et tu as l'impression d'avoir affaire à vraiment un tsar ou un empereur qui dit n'importe quoi, un peu comme Vladimir Poutine, hein, qui ne peut pas avoir aucune opposition à lui. Il les envoie tous en Sibérie ou à l'hôpital ou au cimetière. Les médias sont obligés de s'aplaventrer et raconter toutes les andrées du Parti communiste d'antan, qui est maintenant le Parti Russie là, de, de Vladimir Poutine. 40 ans au KGB, ça n'a pas changé et tous ceux qui oseraient s'opposer à lui sûrement vont être étiquetés comme des traîtres, et comme Donald Trump le fait aux États-Unis, Donald Trump, selon sa vision des choses, tu ne peux pas critiquer quelque politique que ce soit qui émane de son gouvernement ou de lui, parce que c'est toute la perfection incarnée. Donc, on veut éliminer tout esprit euh, de critique et d'analyse. Hein? C'est vraiment pathétique, puis qu'il y a des gens qui supportent ça. Moi, c'est ça qui a fait un peu que je me suis éloigné de ce, de, de, de ce président-là, que j'avais soutenu pendant un bout de temps, puis j'avais même prédit sa victoire, mais son comportement de plus en plus erratique, de plus en plus tyrannique, tu l'impression d'avoir affaire à un Vladimir Poutine cloné version, euh, puis qu'on est en train de transformer les États-Unis en Russie, où il n'y a plus personne qui peut se parler, il y a des ennemis, puis y a des, les oppositions ne se parlent plus, tout le monde devrait être emprisonné. D'ailleurs, c'est dans notre qui a partie la mode d'emprisonner les, les opposants politiques, ou de vouloir les emprisonner. Euh, C'est complètement fascinant, cela. C'est comme le même comportement qu'en Russie. Hein, Vladimir Poutine, qui dirige un parti corrompu avec plein... De... La majorité de tous ses députés sont corrompus, mais il y a juste les opposants qui sont corrompus dans la vue, puis dans les, la, la, les, dans les lunettes euh, du parti au pouvoir. Même chose avec Donald Trump et les républicains. Il y a juste les démocrates qui sont corrompus. C'est tellement, tellement fascinant. Puis il faudrait les envoyer en prison. Donc là, on menace d'envoyer les opposants en prison, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'échange. Les élections, ça ne fonctionne plus. Puis là, il faut destituer un tel, destituer un tel, destituer un tel. C'est une ambiance vraiment morbide, explosive, dangereuse, qui était importée de pays comme la Russie. Puis j'aimerais que vous soyez conscients de ça. Tous les politiciens devraient être redevables à tout le monde. Puis il devrait répondre aux questions de tous les journalistes et de tous les médias. Puis c'est totalement le job des médias de questionner une politique, une décision. Puis tu ne peux pas toujours t'applaventrir comme en Corée du Nord, au Venezuela ou en Russie, voyons. Il faut que tu puisses questionner puis remettre en question un politicien. Mais Donald Trump accepte aucunement ça. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a vu la naissance d'un mouvement stupide comme QAnon qui prétend que parce qu'on questionne. Donald Trump, puis son administration sur ses politiques, il y a un mouvement pour le renverser. Est-ce que je sache? Il n'a jamais été renversé, puis on est rendu à 48 jours des élections, puis il est encore président, puis c'est lui qui promet de tricher. Hein? C'est ça, dans le fond. Puis il est en train de dire aux Américains que ça y est, ça va être la plus grande tricherie. Si je ne suis pas élu, ça va être la plus grande tricherie de, de l'histoire. Voyez-vous à quel point on a importé le modèle russe, puis de son idole Vladimir Poutine, en plein cœur de l'Amérique et que c'est vraiment inquiétant. Tu es plus capable d'accepter une défaite parce que toi, tu penses vraiment que tu es la plus grande incarnation de la vérité absolue, que si tu n'es pas élu, ça veut dire qu'il y, y a une magouille quelque part. Ça ne se peut pas que les Américains aient décidé de se débarrasser de toi. Moi, je n'en reviens pas, qu'on en soit rendu là. Puis ça, c'est tous les pseudo-défenseurs des droits et libertés qui viennent te raconter. Qui sont derrière Donald Trump, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Tout ça, c'est vraiment inquiétant. Moi, je ne sais pas où on s'en va, mais j'ai l'impression qu'on est en train de vraiment changer de voisin. Moi, j'étais content d'avoir les États-Unis comme voisins, mais de moins en moins, là. Quand je vois ce qui est en train de s'installer, un État policier militaire sous Donald Trump, c'est ça qu'on est en train de voir, c'est ça à quoi on est en train d'assister. Tu n'as jamais vu ça sous Barack Obama ou tous les autres présidents, même les présidents euh, républicains d'avant. Là, tu as Donald Trump qui est en train de démoniser tous ceux qui manifestent pacifiquement pour une meilleure vie, une, meilleure une plus grande justice sociale, en les démonisant, en les stigmatisant en les identifiant comme des anarchistes. Donc, selon Donald Trump et les Républicains, si tu veux un bon système de santé, un bon système d'éducation, tu es un anarchiste. Puis tu veux renverser l'élite, ben oui, peut-être, pourquoi pas le renverser l'élite? Et que ces gens-là s'en viennent pour vivre dans ta banlieue, ils vont tout changer, ils vont hein, hein, entrer dans tes maisons, puis. C'est complètement hallucinant. On a envoyé. Donald Trump a militi, militarisé et euh, a fait des de, 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 de États-Unis un état policier maintenant. Tu ne peux plus manifester ce qui est ton premier droit fondamental dans euh, la Constitution américaine. Un, envoyer des agents fédéraux sans matricule arrêter, tabasser des manifestants, les faire disparaître aux yeux et aux vues de tout le monde. Ça a été tout, tout filmé, ça. Moi, je viens pas qu'on en soit rendu là, le plus grand pays, la plus grande démocratie, la plus grande liberté, qu'on en soit rendu avec un président qui veut importer le modèle russe. Dans le fond, c'est peut-être ça, dans le fond, toute l'histoire la... de la Russie qui est en train de se jouer. Moi, je ne sais pas, mais Vladimir Poutine, ce n'est pas mon idole, là. Puis c'est pas lui que je vois comme le sauveur de l'humanité, puis il ne descend pas de Dieu. Là. On a affaire à l'antéchrist en... en personne! Puis que Donald Trump, Donald Trump est comme modèle Vladimir Poutine, puis il le dit souvent qu'il avait beaucoup de respect pour Vladimir Poutine. Wow, c'est vraiment épeurant. Ça aurait dû déjà nous éveiller, puis ça aurait dû déjà moi m'éveiller, mais je me suis laissé endormir. Puis je m'en excuse auprès de tous ceux que j'ai euh, induits en erreur en leur demandant d'aimer Donald Trump. C'est un danger, c'est un poison, c'est corrosif. Il sème la division partout, la haine partout pour mieux régner en ensemble. En, et accuse tout le monde qui n'est pas à ses genoux, en train de lui lâcher les pieds, de traite, de traite à la nation, de non-patriote. C'est hallucinant, là. Puis on ne semble pas se préoccuper de ça nulle part, de ce changement, puis de cette gangrénisation de la société en général. Ça s'est répandu partout, là. En Europe, il y a plein de gens qui sont fervents de Kiwanune, qui pensent que. Il y a un complot mondial, c'est complètement hallucinant, puis qui commencent tous à vénérer Vladimir Poutine. Je ne sais pas, mais wow. Moi, je n'ai aucun parti pris, j'ai aucun espoir dans aucun policier, parce qu'ils ne sont pas là pour améliorer nos vies. Nos vies s'améliorent seulement par nous-mêmes. Mais de voir ces sociétés s'échanger, changer, se transformer, ce qu'on veut, c'est qu'elles se transforment pour plus de liberté et non pas moins de liberté. Et la grande question maintenant, c'est est-ce que Donald Trump a semé la graine de la tyrannie aux États-Unis? Est-ce qu'on va être capable de revenir à une décence, à un contrôle des émotions entre les politiciens pour ne pas nous amener d'élection en élection à un plus cinglé, à un plus tyrannique qui va éliminer de plus en plus les droits et libertés fondamentales de tout le monde? C'est ça qui est inquiétant. Est-ce que Donald Trump a semé la graine de la tyrannie? C'est possible. et hey, quand tu dis que tu as le président des États-Unis qui traite les journalistes, qui pose des questions, je pense que c'est le rôle des journalistes de poser des questions sur les politiques et sur les faits, puis il les traite de traite, de fake news, de. Exactement ce que Vladimir Poutine a comme comportement. Mais lui, il va plus loin. Donald Trump. Peut-être, dans un deuxième mandat, il irait jusqu'à empoisonner les gens, les emprisonner, les faire disparaître. Vraiment, je ne sais pas, mais ça m'inquiète. Moi, je veux que les gens continuent à demander des comptes aux politiciens, qu quels qu'ils soient, de quelque parti qu'ils soient, sur des questions fondamentales, sur des politiques fondamentales, puis qu'à chaque fois que tu questionnes un politicien ou un premier ministre, que tu ne sois pas accusé d'être un. Conspirationniste, un fake news ou un membre du Deep State. Voyons, as-tu tombé sa tête? C'est la moindre des choses de jamais faire confiance aux politiciens puis de les rendre redevables. Moi, je ne sais pas, les grands défenseurs là, des droits et libertés, à Alex cossette Trudel et les QAnonistes, vraiment, waouh, une chance qu'on ne vous a pas pour nous défendre.